Moi, j'avais le rêve depuis longtemps, qui est arrivé d'enfant, de vivre dans une cabane, seul, isolé, dans les forêts, à plusieurs jours de marche de la moindre habitation, en vivant une vie centrée autour de l'autonomie, de l'autarcie, de la solitude. Et j'ai accompli ce rêve il y a 2 ans, puisque j'ai acquis une petite cabane dans la forêt de Sibérie, près du lac Baïkal, dans laquelle je me suis enfermé pendant 6 mois. En vivant mes rêves d'enfant, mais avec des moyens d'adulte, ce qui pourrait aussi être une définition de l'aventure. Cet isolement, c'était aussi une manière d'exprimer des choses, d'exprimer une forme de refus que je crois expriment tous les aventuriers, une dimension critique dans chaque aventure. Tous les champs de la société exsudent d'une frilosité. Eh bien, c'est évident que les aventuriers, eux, par leurs simples actions, expriment un penchant contraire. Pour écrire, de toute façon, je passe ma vie à écrire. J'écris mon journal, je tiens un journal, je tiens mes notes de voyage. Moi, je suis un amoureux fou de l'écriture. J'adore l'idée que l'on vit pour essayer de retranscrire ce qu'on a vécu à travers cette chose magnifique qui s'appelle les mots, la musique des mots. Et je me sens profondément, sinon écrivain, du moins auteur. Il y a un pouvoir résurrectionnel magnifique de l'écriture. Quand je suis parti dans ma cabane, je savais que j'écrirais. Et comme je tiens mon journal quotidien, ça n'était pas très difficile pour moi de continuer à écrire dans ma cabane. Et en fait, je n'ai fait que publier les notes de ce que j'avais vécu quotidiennement. Dans la prise de notes quotidienne du journal intime, quelque chose qui procède de l'accélération de toute la vie, de l'approfondissement, l'intensification de la vie, parce qu'il faudra bien que vous marquiez quelque chose le soir dans votre carnet.